Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve, on est vendredi. Je vlog plus tard que prévu parce que, hier, j'étais très occupée. En fait, j'y ai pas du tout pensé. Hier, j'ai passé ma journée à faire des lessives, du linge. J'ai fait des cartons, j'ai rangé la maison, j'ai fait du ménage, j'ai enlevé le meuble four. Vous saviez que j'avais dans ma cuisine, je l'ai retiré, j'ai ramené mon frigo dans la cuisine, mon étagère alimentaire également. Alors évidemment, maintenant c'est l'entrée qui se retrouve un peu mise à mal, mais voilà, dans la cuisine, j'ai remis mon frigo, mon étagère ici, comme ça, ça me libère. Mes cartons, bah, pour l'instant, je les stocke où je peux. Et puis là, la prochaine étape, ça va être d'aller là-haut, parce que en fait, dans la chambre des gars, je sais que j'ai possibilité de stocker les cartons, mais juste que pour ça, il faudrait ranger un petit peu. Donc, il faut que je m'en occupe probablement aujourd'hui. Bon, bah du coup, je vais m'atteler à mon rangement de linge. Et puis, j'ai un panier entier à repasser aussi. Il faut que je le fasse aujourd'hui parce que la majorité, c'est des choses qu'on va emmener en vacances. Donc pas le choix. Et ben, c'est parti. Je m'y mets. Bon, je vous reprends, il est 18h. Comme vous constatez, les enfants sont rentrés. Je suis ravie, on vient d'aller passer un petit moment au parc. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, fait des câlins, etc. Donc, très belle retrouvaille. Mon brushing, je me suis fait un brushing tout à l'heure, ça se voit même plus. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, la valise des enfants est bouclée. Ma valise n'est absolument pas commencée. Là, je fais du coup le repassage. Comme ça, je pourrais ensuite faire ma valise. Et puis, après, une fois que les valises seront bouclées, j'ai envie de dire, le plus gros sera fait. Ça va être ménage, du coup. Et puis, demain matin, on attendra mon papa. Cet après-midi, du coup, j'ai été acheter des escalopes de poulet pour pouvoir faire du poulet au curry demain midi avec mon papa. Et puis cet après-midi, grosse surprise, en fait Adam était installé dans le canapé pour regarder le Tour de France. Et au bout d'un moment, il s'est levé, il a bougé, et en fait le pêle-mêle qui était là sur le mur, le grand pêle-mêle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est tombé tout seul en fait. Donc je me dis heureusement qu'Adam avait bougé, parce que sinon il l'aurait pris sur la tête. Ça aurait pu être très douloureux. Alors, je ne sais pas si vous citez, hein, mais c'était le pêle-mêle qui est là. Il était du coup à la base sur le mur, donc surprise quoi, il est tombé. Donc après c'est pas très grave, je vais récupérer les photos qui sont dedans et le pêle-mêle en lui-même je vais l'emmener à la déchetterie parce que je ne le trouve pas bon finalement. Je vais en acheter un autre en bois et puis voilà, petit à petit hein, je fais les cartons. Cet après-midi comme vous l'avez vu, j'ai fait le tri dans les affaires des garçons. Du coup, dans la penderie aussi, j'ai préparé leurs valises. J'ai préparé leurs valises et Elsa aussi a préparé ses affaires. On a étendu du linge, Elsa a étendu une lessive aussi. Et puis là, il faut, j'attends que tout le monde passe à la douche et puis je vais en relancer une que j'étendrai du coup et qui séchera pendant qu'on sera parti. Et puis voilà pour la journée. Du coup, on se retrouvera demain avec le départ. Je pense que mon papa devrait arriver vers 10h30, je pense, 10h30, 11h. Après, on repartira je pense, 13h, à peu près 13h30. Excusez-moi, je me prends les pieds dans le fil. Les tiroirs? Non. Non, on mais c'est moi. Ils n'étaient pas du tout motivés à faire un jeu comme ça. Non, mais moi, je ne peux pas en faire. Que j'aime les voir jouer aussi. Il chantait tout.
va aller, place au repassage. C'est bon, la centrale a sonné, je pense que vous l'avez entendu. Et comme ça, je vais pouvoir boucler les valises. Attends, il y en a que je veux faire lancer. Les amis, je vous reprends. On est samedi. Il est 19h et on est arrivé. Je ne vous ai pas repris ce matin parce que... en fait, c'était dans le speed. Déjà, mon papa est arrivé très tôt. Il était parti très tôt pour éviter les embouteillages sur la route. Et finalement, il n'y en a pas eu. Et donc, du coup, il est arrivé à la maison très tôt. Donc, forcément... on a eu du temps à passer ensemble, donc on a profité, on a chargé la voiture, etc. De façon à ce que tout soit prêt pour pouvoir partir après le déjeuner. Et c'était bien cool. Du coup, on est parti, il était 13h10, je crois, et on est arrivé à 16h30. Donc c'était nickel. On est arrivé pile pour le goûter des enfants. Donc impeccable, on a fait bonne route. On a eu un petit peu d'embouteillage au niveau de Rennes, mais c'est tout. Donc franchement... c'était très très bien. Là on est bien, il fait pas trop chaud, il fait pas froid non plus, donc non, c'est chouette. Je vais pouvoir faire du vélo elliptique cette semaine. Ça tombe bien parce que comme je vais pas à la salle, vu que j'ai plus de voiture, je fais des exercices à la maison, donc, mais je peux plus faire de cardio du coup. Donc là, avec le vélo elliptique, je vais pouvoir faire un peu de cardio. Ça va faire du bien. Donc voilà, là les enfants jouent dehors. Ma maman est en train de préparer le dîner. Je l'avais aidée à éplucher les légumes. Et puis voilà, on va passer à table. Et ce soir, on va manger de bonne heure parce que mon papa voudrait regarder le foot ce soir. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Probablement aller me coucher tôt parce que je dois reconnaître que je suis assez fatiguée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est ma thyroïde qui fait encore des siennes. Mais je me sens fatiguée. Après, je pense qu'il y a aussi le stress des travaux et du déménagement cumulé. Mais là, les travaux, on en vient à bout, hein, ça y est. Ils ont tout fait, sauf la pompe à chaleur. Donc, et le sèche-serviette de la salle de bain, mais ça, ils y peuvent rien, ils l'ont pas. Donc, il n'y en a plus pour longtemps. Là, je leur ai laissé mes clés, du coup, pour qu'ils puissent y aller pendant que moi, je n'étais pas là. Enfin, je ne serai pas là toute la semaine. Et puis... voilà, quand je vais rentrer, j'espère que la pompe à chaleur aura été montée. J'en ai pas la certitude, mais j'espère. Et j'entends les enfants qui jouent dehors. Je sais pas où ils sont. Je vais essayer de pas faire de bruit. Ah. Oh. Avec les vieux volets, je suis pas sûre d'y arriver. Je vous remonte. Ben, en fait, je peux pas vous les montrer parce qu'ils jouent pas du tout devant ma fenêtre. Ils sont partis derrière dans le jardin. Je vais vous montrer un petit peu la belle vue. Il y a beaucoup de passages parce qu'en fait, juste là au bout de mon doigt, il y a une route, un grand axe qui passe en fait. Donc on entend le bruit des voitures, mais honnêtement, nous, ça ne nous a jamais perturbés. Voilà les petits aménagements que fait mon papa. Et puis, les enfants sont partis jouer par là-bas, derrière la maison. Mais moi, je n'y ai pas accès. Là, en fait, moi, je suis au-dessus du garage. Il y a l'allée avec la porte du garage en bas. Donc voilà, je vous montrerai probablement des petites choses sur la semaine en fait qu'on va faire ici. Enfin, je vais filmer probablement certaines choses, pas forcément parler, mais vous montrer. Et puis, je pense que je vous reprendrai à mon retour en fait samedi, une fois que mon papa sera reparti. Donc en fait, quand on va rentrer samedi, on va déposer les enfants chez Eric à Cholet. Et ensuite, on va directement chez moi avec mon papa. On va retourner sur Cholet pour faire un voyage de déchetterie. Et puis ensuite, on démonte le portique de balançoire. On le met dans la remorque de mon papa. On mange tous les trois parce que mon frère sera là aussi. Et on repart. Et eux, ils repartent tous les deux. Et moi, je reste le week-end seul chez moi. Les enfants rentrent dimanche soir pour la semaine. Et ils repartent du coup le vendredi soir. Et en fait, ça va être un autre week-end du mois d'août où j'étais pas censée les avoir, où je les aurais en échange de du week-end prochain, où ils vont en fait à l'anniversaire de la sœur d'Eric. Ils ont très envie d'y aller, donc jamais je les empêcherai, d'autant que la sœur d'Eric a aussi envie que les enfants soient là. Donc j'avais aucune raison de m'opposer à ça. Donc du coup, le week-end prochain, ils vont faire la fête. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser maintenant et puis... je vais mettre les draps dans les lits parce que ma maman me laisse le faire parce qu'avec son dos,
c'est quand même un peu sport pour elle. Donc je vais installer les draps dans les lits et puis on va aller manger. Voilà. Bon, et bien les amis, je vous reprends, nous sommes vendredi. Oui, je n'ai pas vlogué de la semaine. Je suis désolée, mais en fait j'ai profité à fond et puis ça a été, je ne vais pas dire compliqué, mais mon papa s'est blessé en fait lundi. Et bah, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de choses parce que bah, c'était compliqué pour lui de marcher. En fait, il s'est fait une entorse à chaque cheville. Il est tombé en voulant... En fait, quand mon frère est arrivé lundi soir, il était à peu près minuit. Et on était tous très contents de le voir arriver. Et dehors, il faisait noir. Et mes parents ont une lumière sur la terrasse. Mais la lumière n'éclaire pas jusqu'à l'escalier extérieur. Mon père a mis, vous savez, les petites loupiottes solaires là, mais ça éclaire rien du tout. Et c'est vrai que l'escalier extérieur chez mes parents est quand même assez traître. Et là, pour le coup, bah, mon papa, dans la précipitation, il a raté la marche en fait. Il courait, mais dans le noir, voilà. Et dans la précipitation, il a raté la marche. Et il est... En fait, il était trop sur le bord de l'escalier, je pense. Et du coup, il a raté le bord de l'escalier et il s'est tordu les deux chevilles. Donc, mon frère pense qu'il s'est fait deux entorses, donc une à chaque cheville. Mais il n'a jamais voulu aller voir le médecin. Donc, forcément, bah, ça va pas passer tout seul. Donc, on est allé à la pharmacie lui acheter de la crème. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas miraculeux non plus. Il va mieux quand même, il marche. Bien, là, il est parti jouer à la pétanque avec mon frère, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu douloureux pour lui. On espérait pouvoir aller à la mer aujourd'hui. On espérait que, voilà, depuis lundi, ça se soit un petit peu apaisé. Et finalement, c'était pas trop le cas. Donc, j'ai refusé, en fait, qu'on aille à la mer parce que je ne voulais pas que mon père marche trop, parce que ça aurait été très douloureux pour lui. Et je sais qu'il l'aurait fait pour nous faire plaisir, mais moi, je ne voulais pas le lui imposer. Donc, c'est vrai que là, on est resté à la maison aujourd'hui. On est resté à la maison quasiment tous les jours. On n'a rien fait, en fait, de spécial, de visite, de balade. On est allé jouer à la pétanque. Là, cet après-midi, avec ma maman, on est allé... faire un petit peu les magasins, mais c'était vite fait. Juste, on est passé chez Cultura parce que maman avait des choses à acheter. Et ensuite, on est rentré. J'avais emmené les maillots de bain, les serviettes, etc. pour les enfants parce qu'on espérait les emmener baigner au moins une fois dans la semaine. On n'a pas eu très beau temps. Donc, forcément... Comme vient chercher ses sous-vêtements, j'avais fermé la porte parce qu'ils font le cirque dans la douche. Et c'était très bruyant. Donc, comme il n'a pas fait très beau, etc., bah c'est vrai qu'on n'est pas parti spécialement se promener. On n'a pas eu hyper beau temps. Donc, on a fait beaucoup de jeux de société, beaucoup de parties de pétanque. Et voilà, on a des grands moments de discussion, des repas très longs aussi, des retrouvailles en famille, quoi. Donc voilà, du coup, oui, on repart demain. On va repartir à 6h parce que la journée est annoncée rouge sur les routes. Et donc, mon papa préfère qu'on parte tôt. Donc je vais terminer de boucler ma valise. Et puis je vous reprendrai demain quand je serai rentrée à la maison pour vous raconter un petit peu ces deux choses que j'ai à vous dire. Bon les amis, je vous reprends. On est samedi. Il est presque 13h30. On est évidemment rentrée à la maison. Les enfants sont très contents parce qu'en fait, ils attendent évidemment leur papa qui doit venir les chercher et ils partent chez leur tata pour le week-end. Et ce soir, on va faire la fête. Pourquoi vous faites la fête? Parce que c'est l'anniversaire de notre tata. Voilà, donc en fait, les enfants s'en vont faire la fête. Et moi, je pense que je vais faire une méga sieste cet après-midi parce que je suis épuisée. Toute la semaine, j'ai hyper mal dormi. Et ben en fait ce matin debout à 5h ça piquait quand même. Du coup ça va être ça le programme de l'après-midi. Là moi j'ai enchaîné effectivement j'avais préparé en gros on a vidé les paniers de linge. Donc je n'ai plus de linge dans les paniers là-haut. Quand on a eu du linge en fait moi je l'ai mis directement dans la machine. Et puis là le sac qu'on m'a ramené de chez ma maman du coup je l'ai lancé directement en arrivant. En deux fois quand même. Donc la première partie est étendue dehors, la deuxième est en train de tourner, donc je l'étendrai juste derrière. Et puis comme ça je serai à jour de mon linge. J'ai même lavé tous les
Vous voyez, les pilou-pilou et tout, tout est prêt. Donc maintenant, il va falloir que j'aille ranger. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que franchement, je suis rentrée, j'avais fait mon ménage avant de partir. Honnêtement, quand je suis rentrée, c'était abusé. Il y avait de la terre et des graviers partout dans la maison. Donc bref, on va pas se plaindre. Ils m'ont rien cassé et je pense qu'ils ne m'ont rien volé non plus. Ben, c'est possible, hein. De qui t'ont volé quelque chose. Non, enfin, j'ai rien vu qui manquait dans la maison, donc non, je pense pas. Mais Flo, lui, il est encore en vacances. Bah là, du coup, ils sont tous en vacances, donc ils m'ont posé la pompe à chaleur, mais j'ai toujours dans pas... Dans le jardin dans le garage. Oui, et le boîtier dans le jardin, il y est aussi. Et en fait, il manque encore le sèche-serviette dans la salle de bain et ils n'ont pas fait la retouche finition dans les toilettes. Maintenant, la pompe à chaleur est posée et j'ai une fuite au radiateur de ma chambre. C'était normal. Donc je vais prévenir Flo, mais je pense que lui, il n'y pourra rien. Je ne sais pas comment je dois faire dans ces cas-là, mais... Maman, un réparateur. Les trucs blancs, moi je croyais que c'était des frigos. Ah ben non, c'est pas un frigo, non, c'est la pompe à chaleur, elle est énorme. Ah ouais, c'est vrai. Allez, je vais vous la montrer. On dirait des frigos. Par contre, ce qui est bien et que j'apprécie beaucoup, c'est que dans le garage, ils ont changé l'éclairage en fait. Avant, on avait une petite ampoule qui éclairait, je sais même plus où elle était posée d'ailleurs. Là-bas. Elle était posée, oui, c'est vrai, sur le mur au fond là-bas. Et maintenant, ils m'ont mis des super néons. Qui est clair, mais trop voilà, bien quoi. On dirait un voilà. Frigo. Et donc la pompe à chaleur, elle est là. Maman, ça peut s'ouvrir. Et du coup, ils ont tout vidé mon garage. Voilà, ils ont enlevé tout leur matériel. Il n'y a plus rien à eux. Oh, aussi, les balais. Ils m'ont laissé le tapis là, c'est pas à moi. Les deux balais sont pas à moi. Et ils m'ont laissé deux petites pelles avec des balayettes, pardon, avec des petites pelles. Donc, ce qui ne sont pas à moi, donc je verrai si je croise des ouvriers dans la semaine, je leur signalerai qu'ils m'enlèvent aussi leur bout de moquette. Là, je ne sais pas qui c'est, ça, mais ça n'a jamais été à moi. Le morceau de moquette, là, qui est là-bas, ça n'a jamais été à moi, le tapis, là, par terre. Donc, nous, on va emmener les vélos. On a le congélateur, il part chez Anaïs. Et nous, on emmène juste ce qu'il y a à côté, en fait. Il ne va pas tarder. Il avait dit 13h30, 13h45. Donc il est quelle heure? Bah, il est bientôt 13h45. Bien, bien. Donc du coup ça veut dire que dans mon placard d'entrée il n'y a plus rien. Parce que avant ici il y avait le ballon d'eau chaude. Donc maintenant il n'y a plus rien. Donc là c'est le paquet de mouchoirs qui est tombé de l'étagère à côté. Que je ramasserai. Mais du coup il va falloir que je pacte tout ça. Et puis on va commencer de toute façon le déménagement là à partir de lundi. Je pense que je voulais commencer ce week-end, mais en fait je suis tellement fatiguée. Je rentre de vacances et je suis fatiguée, c'est terrible. Hein. Mais j'ai tellement mal dormi en fait que finalement bah, je me suis pas du tout reposée. Et résultat, voilà, je rentre et je suis fatiguée. Donc je vais, je pense, me reposer ce week-end, le temps que les enfants sont pas là, parce que c'est le meilleur moment pour moi de le faire. Et puis à partir de lundi, on va commencer à trier les affaires des enfants pour pacter, puisque eux, ils ne vont rentrer qu'une semaine avant le déménagement, donc leurs affaires, ils vont pas en avoir beaucoup besoin. Je vais laisser ouvert leurs cartons de jouets, etc., mais je vais quand même pacter pour que ce soit prêt à partir, quoi. Donc voilà. Eh bien, du coup, je vous reprendrai quand ils seront partis pour vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Et puis là, pour l'instant, je vais profiter de mes dernières minutes avec eux. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 21h30. Je voulais vous montrer, ça y est. Il n'y a plus de balançoire. Mon papa est parti avec. Ça fait bizarre. Alors oui, aujourd'hui, je suis en mode bustier. Hein. Ne me demandez pas. J'ai pas de raison particulière. Enfin, si, peut-être. C'est que en fait, aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps dehors. À étendre du linge, détendre du linge, et donc je me suis dit, quitte à me retrouver en plein soleil, si je dois prendre des coups de soleil, ou tout simplement des couleurs. Excusez-moi, je ferme mon volet. Je préfère que ce soit fait proprement. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai opté pour le mode de bustier. C'est un débardeur à la base, hein. J'ai juste rentré les bretelles. Bref, du coup, je reviens vers vous pour vous raconter un petit peu les petites news de ces derniers jours. Alors, déjà, la première nouvelle, c'est clairement la meilleure de l'année, c'est qu'Elsa a changé d'avis et qu'elle part avec nous.
Vous n'imaginez pas le soulagement que ça me procure. J'en ai envie, j'ai envie d'en pleurer tellement j'en souffrais intérieurement de partir sans elle. J'en étais malade en fait. Hein. J'essayais de respecter sa décision, mais c'était vraiment dur pour mon cœur de maman. Donc là, voilà. En fait, quand elle est rentrée, les enfants sont rentrés vendredi soir dernier. Et on est parti samedi chez mes parents. Et en fait, quand on est arrivé chez mes parents samedi, ma maman me dit elle a l'air triste, tristoune, Elsa. J'ai dit je dis oui, moi aussi, quand elle est rentrée, je lui ai dit, je fais bah ça va pas. Elle me dit bah si, mais je suis fatiguée. Puis sans plus. Et là, ma maman me dit la même chose. Je dis bah écoute, moi aussi, mais je lui ai demandé et elle me dit qu'elle est juste fatiguée. Donc elle me dit ah bon, et j'ai pas eu l'impression qu'elle avait envie de me parler ou qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle l'a vraiment pas fait ressentir en fait. Donc bon, c'en est resté là. Et puis mon frère arrive le lundi et mardi dans la journée, il me dit elle est pas un peu tristoune, Elsa? Je me dis quand même c'est fou. Donc je dis je sais pas, je lui ai demandé, elle me dit qu'elle est juste fatiguée, il me fait, ouais, je sais pas, il me dit, je la trouve un peu tristoune, puis elle reste dans son coin, tout ça, je dis, oui, bah alors ça, c'est Elsa, depuis qu'elle est ado, c'est vrai qu'elle est plus à s'isoler un peu dans sa chambre, et je pense que c'est normal, quand j'étais ado, j'en faisais autant, c'est pas pour autant que j'allais mal, elle aime bien, elle est dans sa chambre, écouter de la musique, c'est son truc, elle aime ça, donc, et elle danse en fait, donc elle aime pas qu'on la regarde, donc elle préfère être toute seule dans sa chambre. Donc moi ça m'a un peu choquée. Et finalement, jeudi, on se croise dans la cuisine, les gars étaient en train de débarrasser la table, moi je discutais avec ma maman, enfin je les aidais, et en même temps je discutais avec ma maman qui elle était en train de ranger dans la cuisine, et Elsa me croise, et je vois dans ses yeux qu'il se passe quelque chose. Et je me dis mince. Donc, je lui demande ce qu'elle a, et là, elle me dit, est-ce qu'on peut se parler? Donc, on est parti dans la chambre, et elle m'a avoué qu'en fait, elle ne souhaitait plus rester chez son père. Elle m'a expliqué qu'en fait, ça lui fait peur, parce que là, elle a bien ressenti que déjà 15 jours sans moi, c'était difficile, qu'elle avait déjà grandement hâte de rentrer, et que elle s'imagine pas tenir comme ça un mois, en fait. Donc, d'un côté, ça m'a soulagée, puis d'un autre côté, j'ai pensé à Eric et je me suis dit, le pauvre, et il était tellement content qu'elle aille chez lui. Il avait déjà acheté ses fournitures d'école, il lui avait acheté des vêtements, il avait tout prévu, enfin, elle était inscrite au collège et tout. Enfin, franchement, il avait tout organisé pour que ça se passe bien pour elle, une fois rendue chez lui. Et malheureusement, tout ça, ça allait tomber à l'eau. Donc, ses fournitures scolaires, elles sont là, en fait, sur la table, dans un carton. Puisque du coup il les a achetés pour rien, donc je lui ai dit que je les lui rachèterais puisqu'elle en aura forcément besoin dans l'autre collège. Si elle a pas besoin de tout, c'est pas grave, on en mettra de côté, ça finira bien par être utilisé. Et voilà, et du coup ça c'est la première bonne nouvelle. Donc Eric, on lui a annoncé, enfin je lui ai annoncé parce que Elsa me l'a demandé, elle culpabilisait tellement, en fait, de lui avoir donné un faux espoir qu'elle n'osait pas lui dire. Je lui ai dit, écoute... Et en fait, il m'a appelé, je sais plus pourquoi. On devait s'appeler, il me semble, et il y avait une raison particulière, mais je me souviens plus ce que c'était. L'organisation, je crois, pour ce matin. Et quand il m'a appelé, du coup, je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle. Je voulais attendre dimanche pour te le dire, mais je dis, Elsa, elle va pas bien, parce qu'elle a beaucoup pleuré quand elle me l'a dit, en fait. Donc, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Et donc, je lui ai expliqué. Je dis, Elsa va pas bien, elle a changé d'avis. Apparemment, elle a plus trop envie de rester ici pour son année de troisième. Donc, je lui ai dit, je pense qu'il va falloir que vous discutiez. Et je lui ai dit, parce que là, en fait, elle se sent mal par rapport à toi. Elle culpabilise et...
Et là, il me dit, wow. Il me dit, attends, moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle soit bien et qu'elle fasse des choix qui la rendent heureuse, qu'elle fasse ce qu'elle veut, en fait. Il me dit, donc, si ce qu'elle veut, c'est rester avec toi, elle reste avec toi. Il n'y a pas de problème. Il dit, moi, je veux pas la forcer. Le but, c'est pas qu'elle soit malheureuse toute son année. Donc, j'ai apprécié sa réaction. Du coup, on va en rediscuter un petit peu dimanche, je pense, mais principalement pour l'organisation. Parce que bah du coup voilà il a bien noté les choses et puis il a bien parlé avec Elsa, il lui a dit que pour lui il n'y avait pas de souci, qu'elle s'inquiète pas pour ça, qu'elle culpabilise pas, que tout va bien quoi. Là ils sont partis ensemble à l'anniversaire de la sœur d'Eric, Elsa était très contente d'y aller. Donc je pense que voilà ils vont passer un bon week-end, ça va très bien se passer. Donc voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, j'avais mardi matin à 9h un rendez-vous de programmé avec mon conseiller Pôle emploi. J'ai obtenu un accord de financement par la région, mais qui est en fait un accord partiel. C'est-à-dire que ma formation, il restait, je crois, 2000 euros à financer. L'école a donc envoyé un devis sur mon espace personnel de Pôle emploi que je devais, moi, accepter pour qu'il soit étudié par Pôle emploi. Sauf que ce devis, je l'ai reçu pendant la semaine, enfin les quelques jours où j'étais dans l'Oise. J'étais assise à la gare, je m'en souviens parfaitement bien. J'étais en train d'attendre ce fameux train qui était en retard. Et donc, je l'ai regardé, mais sur mon portable, ça plantait. J'arrivais pas à voir ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus quand je serai rentrée à la maison. Ce sera plus simple. Et donc, j'ai fermé mon appli. Et quand je suis rentrée chez moi le mercredi soir, je suis retournée en fait sur le document. Et là, en fait, ça m'a donc montré que c'était le devis dont l'école m'avait parlé et que clairement, il était noté comme refusé par mes soins. Donc j'ai été grandement dégoûtée. Donc j'ai contacté mon conseiller Pôle emploi qui m'a proposé un premier rendez-vous qu'il n'a pas respecté. Ensuite, je l'ai recontacté, il s'est excusé, il me dit si vous voulez rendez-vous mardi matin 9h à l'agence. Donc je lui dis bah je ne pourrai pas, je serai en vacances chez mes parents, on peut faire ça par téléphone si vous voulez. Il me dit OK. Donc on a fait ça par téléphone mardi matin à 9h et là en fait, il m'explique que normalement, j'aurais dû préparer ce projet de formation avec mon conseiller Pôle emploi avant de m'inscrire en formation dans l'école. Je dis, bah, écoutez, l'annonce, je l'ai trouvée sur votre site. Donc, je lui dis, j'ai contacté l'école via votre site. Après, ils m'ont appelé, on a tout réglé par téléphone, échange de mails, etc. Je lui dis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Et là, il me dit, ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout un protocole. Il dit, une formation, ça se prépare, ça se décide pas comme ça, sur un coup de tête. Je dis, mais c'est pas un coup de tête, c'est une formation. J'ai expliqué, hein, je lui dis, c'est une formation que je voulais faire quand je suis sortie de mon bac, que mes parents n'ont pas voulu. Et j'ai eu beau lui expliquer tout ça. Il me dit, ouais, non, mais moi, tout ça, c'est bien, mais même si j'écris ça dans votre dossier, ça passera pas. Il me dit, vous pouvez demander 2000 euros ou 20 euros, Pôle emploi vous financera pas une formation qui n'a pas été préparée avec un conseiller Pôle emploi. Je lui dis, bah, on est au téléphone là, on peut la préparer en fait. Il me dit, non mais c'est pas ça, la préparer, c'est pas juste s'entretenir pour en discuter. Il me dit, vous devez faire une enquête de métier, vous devez faire ce qu'ils appellent une PMSMP, c'est-à-dire une période de mise en situation. Donc, pour le projet professionnel, je crois, un truc du genre, en milieu professionnel. Et donc, et je dis, ben, ok, mais je dis, la formation, elle commence le 19 septembre, vous voulez que je fasse ça quand? Il me dit, bah là, il me dit, faut la faire là, début août, parce que du coup, à la fin de ça, vous aurez un document signé de l'entreprise que vous nous rendrez, enfin, que vous me transmettrez et que, bah du coup, vous pourrez donner, enfin, dans votre dossier de demande de financement. D'accord. Donc, voilà, la deuxième nouvelle, c'est que je dois, là, trouver un stage à faire. Donc, je suis en recherche. J'ai contacté des gens qui doivent me recontacter. Mais c'est surtout qu'il va falloir que je me fasse héberger sur Paris pendant une semaine. Donc, j'avoue que j'ai un peu les boules parce que mon frère est en vacances. Donc, je ne peux pas aller chez lui.
Donc voilà, c'était la deuxième bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle en soi, hein, puisque pour moi, clairement, c'est génial de pouvoir faire ça. Une période de mise en situation avant de rentrer en formation, franchement, c'est génial pour moi. Je voulais en faire une en plus. J'avais cherché début juillet à faire une petite, un petit stage d'observation comme ça. Bon, j'aurais préféré le faire sur un plateau de tournage, mais là, ce sera a priori pas le cas, sera plutôt dans les bureaux. Mais il n'y a pas de problème pour moi, je suis très à l'aise dans les bureaux, donc j'ai pas de problème avec ça. Puis de toute façon, la partie, la majeure partie du poste auquel je vais être formée, c'est de l'administratif, donc j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, là je suis en recherche actuellement de stage. Voilà pour la deuxième nouvelle. La troisième nouvelle, c'est que, vous savez, je vous ai parlé de notre tableau à points que les enfants tiennent au taquet. Ils me rendent des services à n'en plus finir. Ils en ont rendu beaucoup chez mes parents. Com et Elsa ont énormément remonté leur compteur de points, à tel point que, je vous montre, parce qu'il était très fier, Com a 500 points. Voilà, Elsa, elle est quand même à 360, donc c'est pas mal aussi. Donc, comme Com a 500 points, ça veut dire qu'il a récupéré son téléphone. Donc là, il est parti en week-end avec son téléphone. Il est hyper content. Et moi, j'étais très contente pour lui aussi, parce qu'il s'est vraiment donné beaucoup de mal pour le récupérer. Donc, j'espère qu'il va faire en sorte de le conserver, surtout. Mais en tout cas, je suis très contente pour lui, parce que je trouve que c'est mérité. Et Elsa, elle se donne beaucoup de mal aussi pour y arriver. Et j'ai confiance en elle. Je suis sûre que sur la semaine prochaine, elle sera capable de récupérer les 140 points qui lui manquent. J'en suis certaine, parce que voilà, ils me rendent beaucoup de services, des services pour lesquels parfois je leur donne 20 points parce que ce sont des gros services. Donc j'ai pas de problème avec ça, j'ai entièrement confiance en elle. Et même si elle les a pas avant de partir en vacances chez son papa, je suis sûre qu'elle les aura avant qu'on déménage. Donc parce que je sais que dans le déménagement, elle va m'aider. Donc, elle aura ses points, elle aura son portable pour déménager dans l'Oise. Donc, là-dessus, je suis rassurée. Petite chose qui s'est passée pendant les vacances aussi. Adam s'est trouvé une passion. En fait, il est venu jouer à la pétanque avec mon père, mon frère et moi. Alors, il faut savoir que mon papa, il joue quand même plutôt bien à la pétanque, il tire et il pointe, il sait faire les deux, donc il joue vraiment bien. Après, moi je joue pas trop mal, on va dire, mais c'est pas non plus des coups d'éclat. Enfin, j'ai fait des coups d'éclat quand même, parce que j'ai réussi à tirer des belles boules. Moi aussi je tire et je pointe, mais beaucoup moins bien que mon papa. Mon frère tire et pointe aussi, moins bien que mon papa, et pour le coup, cette fois-ci, quand même mieux que moi. Moi, je dois dire que là, à part le dimanche où je suis allée jouer avec mon père et Adam, et Elsa qui joue très bien aussi d'ailleurs, elle place des boules, mais de toute façon, Elsa comme Adam, ils ont une trajectoire parfaite. Je ne comprends pas ça. Moi, j'ai un problème, un gros, gros problème de trajectoire. Eux, la trajectoire est parfaite. Donc, c'est juste un super bon point pour quelqu'un qui veut jouer à la pétanque. Donc, du coup, bah forcément, il jouait super bien, quoi. Et en fait, Adam, mon papa lui a donné beaucoup de conseils. Mais il joue... Alors, il ne fait que pointer, hein. Mais il pointe, je vous jure, à la perfection. Vraiment à la perfection. C'est-à-dire que vous aviez le cochonnet qui était là, la boule de mon frère qui était là, Adam, il venait se mettre entre les deux, quoi. Enfin, franchement, non, vraiment, il est doué pour la pétanque, vraiment. Et je pense que on y jouera dans l'Oise, parce que mon frère adore ça. Donc, je pense que on pourra y jouer avec mon frère, avec Adam. Ça va être sympa. Com aussi a envie d'y jouer, mais... Comme il est beaucoup moins patient, alors Adam n'est absolument pas patient en temps normal, mais à la pétanque, il est extrêmement patient, alors que Com n'arrive pas à être patient à la pétanque, et donc du coup, c'est compliqué de jouer avec lui, en fait. Et puis, il est très intimidé par le fait qu'on le regarde jouer, et donc il n'arrive pas, en fait, à se concentrer, à être précis dans ses gestes, il n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il avait la pression de mon père qui attendait de lui qu'il fasse aussi bien que Adam, alors que pas les deux les mêmes, hein.
Mais bon, du coup, il a pas trop réussi. Il était un peu déçu, mais ça s'est passé quand même. En tout cas, franchement, ils ont lié des liens, mais vraiment énormes avec leur petit cousin. Moi, je suis trop contente. Ce matin, nous, on était repartis à 6h du matin. Donc, Lenny n'était pas levé quand nous, on est partis. Et ma maman nous a appelés pour nous dire, dès qu'il s'est levé, il a dit, ils sont où les copains? Parce qu'il les appelle pas mes cousins, il les appelle mes copains. Et du coup, il dit, ils sont où les copains? Et du coup, ma mère lui a dit, ils sont rentrés chez eux. On lui avait dit au revoir la veille, mais il n'avait pas compris. Et du coup, mamie, elle lui a dit, tu vas les revoir bientôt, etc. Donc, il était content, mais il a tout de suite demandé après eux, quoi. Je trouve ça trop mignon. Donc là, on va passer, je pense, à peu près 3 semaines ensemble, hein, chez mon frère, 3-4 semaines, le temps que nous, on ait l'appartement. Et du coup, ça va être plutôt... alors, ça va être très camping, très compliqué, mais pour les enfants, ça va être sympa parce qu'ils vont être tous ensemble et donc ils vont être contents. Donc voilà, c'était ça les nouvelles que je voulais vous dire. J'en ai parlé sur Insta, j'allais vous annoncer tout ça dans le vlog. C'était pas... Et bizarrement, je sais pas, les gens ont pensé que c'était des mauvaises nouvelles, alors que pas du tout, bien au contraire, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Ce matin, j'ai redonné à mon frère les dossiers d'école que j'ai remplis. Et en fait, je lui ai rendu les documents et j'ai oublié de remplir le dossier pour Elsa. Je voulais photocopier le dossier de com. Et puis mettre du correcteur juste sur le nom, le prénom et la date de naissance et la classe, etc. Et en fait, j'ai complètement zappé. J'ai donné le dossier de com à mon frère. Il est reparti avec et du coup, je n'ai plus l'exemplaire du dossier. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Donc, le 25 août, sans faute, il faut que j'appelle le collège pour qu'il me l'envoie par mail et que je puisse le remplir et le renvoyer par mail. Même si je sais qu'elle préfère l'avoir par courrier, je ferai les deux. J'enverrai par mail et par courrier, comme ça elle aura les deux, mais au moins elle pourra réagir rapidement, parce que entre le 25 et le 1er septembre, il y a quand même que 5 jours. Donc pour faire accepter son dossier au rectorat, ça va être quand même compliqué. Donc, pas compliqué, mais court. Donc voilà, du coup, là c'est bon, je suis rentrée à la maison, les enfants sont partis en week-end, j'ai essayé de dormir cet après-midi, impossible. Donc du coup là je vais pas tarder à aller me coucher parce que il est déjà 22h bientôt et en fait je me sens fatiguée. J'ai un peu la trouille d'aller dormir dans ma chambre puisque avant que je parte il y avait la grosse araignée que j'ai jamais retrouvée. Mais bon, je me dis depuis le temps elle doit être partie. J'espère en tout cas. En plus je crois que les rideaux sont fermés dans ma chambre, donc je vais pouvoir... les laisser fermer et me coucher tranquillement. Et puis demain ça va être journée ménage parce que clairement ma maison est très sale. Je vous ferai aussi le montage du vlog que je mettrai en ligne pour lundi matin. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est un petit peu long pour le coup, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !